S'abonner bisous toujours chez mon compte officiel vous avez information sur le YouTube Linga Karim Mokondi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzoto Té Big up fire boom boom fire Karim Mokondi c'est juste un big up Karim Mokondi la baronne
sur cette place de l'éternité, dans cette belle cité d'Idir, nos chers disparus, la métropole Académia, notre patrimoine et moral commun, tous en vos grâces et qualités, est un point d'honneur, un signe d'amour et d'amitié, voire un attachement aux précieux souvenirs de notre très cher le révérend pasteur Mouamba Kavouya Charles, qui nous a quitté le mercredi 9 mars 2022 ici à Kinshasa à l'aube de ses 83 ans. Eh bien, il nous laisse ses souvenirs, il laisse avec des souvenirs qui raffermit certainement la mémoire de son personnage parmi vous. Notre très cher, le révérend pasteur Charles a su et eu le temps de faire son personnage en peinant sa vie d'amour et d'amitié, des enseignements bibliques, travail bénévole et des actions sociales pour le bien et le bonheur de beaucoup d'entre vous. Il essaie, c'est lui qui l'a fait de cette terre, l'a fait placer sur cette terre, vient de le rappeler de cette terre. Mes chers familles, chers parents et amis, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler quelques éléments de son parcours de vie sur terre. Nous retiendrons donc qu'il est issu de la lignée parentale Mwakou et Oumoua. Il est originaire du village Kazilapanda, secteur de Kibunda, territoire de Kassongolunda et le tout dans la magnifique province agricole du Kwango. Il est venu au monde avec le souffle de vie le jeudi, au mois d'octobre, un certain jeudi, cela en 1939, voulais-je dire, à Kassilapanda. Sa vie fut une succession de rêves et d'actions, voire une entreprise que l'on commence en ignorant son ici, ici Jean-Paul Sartre, se résumant ainsi en trois points, à savoir AST, amour, solidarité et travail, marqué notamment par Primeur, une vie communautaire et pastorale très intense en tant que pasteur titulaire à la 4e communauté de la communauté des églises des frères mennonites au Congo, CFMC, en sigle paroisse El Rama Baza, située dans la commune de Massina. Secondo, il a connu une vie familiale heureuse de père et grand-père et arrière-grand-père, pleinement comblé par sa riche progéniture composée des 9 enfants, 56 petits-enfants et de plusieurs arrière-petits-enfants, sans oublier sa veuve épouse qui laisse ses jours tous éplorés et angoissés face aux immenses défis à relever de l'enfant seul et sans le bras séculier de notre très cher papy Charles le pasteur, dont le mérite est d'avoir su s'aimer l'amour dans le cœur de beaucoup d'entre vous. Et perçu enfin, sa vie pastorale, nous retiendrons également que notre cher papy Charles, le pasteur a connu une vie professionnelle bien remplie au sein du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, une carrière qu'il a assumée pendant 60 ans avec loyauté, abnégation et sens élevé des responsabilités à la très grande satisfaction de ses hiérarchies et de ses collègues avant de nous quitter au grade de chef du bureau. Chers familles, chers parents et amis, chers frères et sœurs, osons nous souvenir de notre très cher, le révérend pasteur Charles Mwamba-Kavouya, avec joie pour ce qu'il était. Osons nous souvenir de ce fervent chrétien très engagé. Il était un bon père pour ses enfants, très aimable, un grand travailleur, un papa serviable, sympathique, charitable, toujours attentionné, loyal et sociable. Il était un papa rassembleur, doté d'un sens de responsabilité, très généreux, un papa toujours effacé. Ainsi, le plaisir et les joies, ainsi que les rires qui ont animé sa vie demeureront plus longtemps dans les souvenirs de sa famille et de vous, ses frères et sœurs. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, toute l'équipe de la Nécropole Academia s'associe à votre peine et vous présente en ce moment douloureux toutes les condoléances émises. Pensons à lui, dans à notre très cher papa Charles le pasteur, comme un merveilleux jardinier de l'amitié et du
édifié et convaincu que son départ n'est pas une fin en soi, mais un simple au revoir pour affirmer cette nouvelle vie éternelle de notre très cher, le grand pasteur Charles Mwamba, lui qui n'est plus à chercher à son domicile conjugal, si nous la voulu table ronde, quartier Congo, dans la commune de Massina, à la sortie du culte du dimanche à l'église de la communauté des églises des frères Mennonites au Congo, CFMC, en sigle à la quatrième communauté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir de cet instant, il vient de déménager pour la commune de l'Ancelé. Donc désormais son corps reposera ici à la nécropole Academia, et cela dans les quartiers Grafias sur la lettre 13 au numéro 513 de la rue de la Conservation. Je répète la nouvelle adresse physique de notre très cher, le révérend pasteur Mwamba Kavuya Charles, et les bonnes cités Nécropole Academia, quartier Grafias, à les 13 au numéro 513 de la rue de la Conservation. Pour le rester fidèle, nous vous prions de bien vouloir passer chaque fois que vous sera possible pour perpétuer sa mémoire, pour vous souvenir de lui et pour vous fleurir sa tombe ou sa sépulture. Le visite à la nécropole entre intéressés, c'est tous les jours sans exception, c'est-à-dire du lundi au dimanche, même les jours fériés, n'est-ce pas, de 9h à 16h. En nom de toute l'équipe de la nécropole entre intéressés et de ses partenaires, dans notre délit de Kinshasa et la Croix-Rouge, une fois de plus, chers amis, chers parents et amis, chers frères et sœurs, nos plus sincères condoléances. Maintenant, qui mérite la paix et le repos éternel et que la séparation avec son corps physique s'impose en notre pouvoir, nous allons lui dire au revoir, mais avec des mots simples, précieux, entretenir à la langue chère, à Suzaï, en Yaka. Nous disons tout simplement, Tata Charles Mwamba, Winda Bouti. Je vous remercie. Thank you.
Sumasia, Yahweh Nzambe, toli ko pesa yo merci. Po longo libiso na esika to joa maki, po na boko misabiso awa, o lakisi biso bosemo na yo, lakisi biso solo na yo, o lakisi biso nguya pe bokoti na yo, yo yebi ete, boko sala pe bongo na kozonga na biso. Na mwa tango moke o ye pesa me libiso, tika molimo na yo e kamba biso, lokumu peke moyo soa na komu na Yesu Kristo. Amen. Bien, nous allons sur la matéria ya ko pesa te. Ma matéria e pesa mi uta tangoyo, papa na biso atika ki biso. Mpe to uti kuna na cinquantenaire. To landa ki pe motéria uti kote ya biso ba mapambo lisambo oyo papa na biso a uti ko joa. Na tango oyo nous allons kozongisa nzoto ya moweyi na kati na mputulu. Putulu na mputulu. Putulu e kozonga mputulu. Pe mabele e kozonga mabele. E mwamba kavu ya Charles. Lokola e sepelesi na Yahweh Nzambe kokamata molimo na yo po ete kwa kopema na kati na bwana na mokili oyo. Outaki na mabele mari ta na passer le moment ti ka ko na fesse na no wonde o ya ko alo mi na potulu o twa maki na mabele o se li ko so na mabele Yeah.
Il va plaquer. 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 Il
Tchonga aussi provisoire. Tout à l'heure. Tes photos à Awa. Oui. Donc tous s'abonner bisotour chez mon compte officiel pour des informations Karim Konzi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzo Tote Big up fire.